Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de LSPDFR. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec la brigade motorisée de la gendarmerie nationale et on va s'occuper des automobilistes. Donc on va veiller à ce qu'ils respectent bien le code de la route. Donc j'ai placé un radar là-bas, au loin, que j'ai réglé. Oula! 122 km/h. Ça, on prend ça. Donc le radar s'est limité à 110 km/h ici et je l'ai réglé à 115 km/h. Donc lui il est en excès de vitesse et on va l'arrêter tout de suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein. Allez hop monsieur, mettez-vous. Mettez-vous sur le côté là. On va procéder à un contrôle. Allez, rangez-vous. Voilà, stop. Est-ce qu'il est là, mon collègue là? J'ai mon collègue motard qui est avec moi. Hein. Donc allez, c'est parti. J'ai sorti mon arme au cas où. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Je vais vous demander vos papiers s'il vous plaît. Hop, alors on va vérifier son identité. Hop, oula, j'ai sorti le bouclier. Je n'ai pas besoin. Donc la licence est valide, parfait. Je vais vérifier l'immatriculation du véhicule. Ça n'a pas marché ou quoi? Ah, là c'est bon. Donc je vais le verbaliser hein, de toute façon. Il était contrôlé à 122 km/h pour 110. Ah, parce que je veux pas le bouclier moi. Oh. Bon monsieur, je vais vérifier quand même si vous avez bu et si vous avez consommé des produits stupéfiants. On va voir ça tout de suite. Ok, donc les stupéfiants c'est négatif. On va procéder à un test d'alcoolémie. D'accord, négatif. Bon, bah je vais être obligé de vous verbaliser. Hein. Donc ça vous fera 90 € d'amende. Et un point en moins sur votre permis de conduire. Donc, je vous fais votre contravention et vous pourrez repartir. En faisant attention en repartant, hein, parce que là... Je vous connais. Donc, je note l'endroit où on est. Voilà. Point à la ligne. Hop. Tenez, monsieur. Bonne route et faites attention en repartant là-haut. Oh là 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 là. Il n'a même pas regardé dans ses rétros. Bon. Nous on est reparti, on va aller se replacer à l'endroit où on était. Et on se retrouve après. Donc alors, je vais en profiter pendant qu'on attend là pour vous parler de la chaîne. Donc déjà, je vais changer le nom de la chaîne. Ça va plus s'appeler LSPDFR Made in France, mais Jugames 5. Parce que à partir de dans 2 ou 3 semaines, je vais commencer à faire de nouvelles vidéos sur un autre jeu. Donc ne vous inquiétez pas, je vous le dis tout de suite, il y aura toujours du LSPDFR une fois par semaine tous les vendredis. Et il y aura également une nouvelle vidéo qui sortira le dimanche. Donc sur un nouveau jeu. 124 km/h, il a de la chance. Donc ça sera un jeu complètement différent de LSPDFR, hein. Vous verrez. Donc j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire pour la première vidéo. Donc voilà. Donc je répète, hein, il y aura toujours du LSPDFR le vendredi, comme d'hab. Et le dimanche, ça sera une nouvelle vidéo sur un autre jeu.
Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez d'autres jeux sur la chaîne, c'est normal. Bon bah là, ça a l'air très calme. À mon avis, ils sont au courant qu'on est là. À mon avis, les gars en face, ils doivent faire des appels de phare. Parce que là, 96, 67. Ah. 120. Allez hop. On a gagné. Ça, on va le prendre hein, parce que pas beaucoup d'activité. Eh, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Oh, arrêtez-vous là. Gendarmerie là. Complètement malade. Et là, suivez-nous. Il veut pas me suivre. Bon. Eh, mais il est bête, lui. Il fonce dedans. Oh. Eh, monsieur. Mais. Pourquoi ça marche pas? Ah. Mettez-vous là, là. Tournez là, voilà. Avancez encore un peu. Encore. Top, top. Voilà. Monsieur, gendarmerie nationale. Vous êtes complètement malade de couper la route comme ça, là. Vous demandez vos papiers, s'il vous plaît. Alors, Dab. Alors, la licence est valide. Ok. Monsieur, est-ce que vous avez bu là? Non? Vous avez consommé des produits stupéfiants? Non? Ok, donc je vais vérifier tout ça. Tenez. Ok, négatif. Et ok. Oula, oui, ah, je comprends mieux. D'accord. Donc il est largement au-dessus de la limite autorisée. Donc alors déjà, je vais mettre 90 euros d'amende. Pour l'excès de vitesse, un point moins. Je vais mettre 3 points moins pour l'alcool et je vais lui demander de sortir de son véhicule et de rentrer à pied. Et la voiture, là, je vais l'emmener. Je vais appeler une fourrière. Donc, je vais lui faire sa contravention et il repartira à pied. Il faudra qu'il appelle quelqu'un. Oui, monsieur, faut pas boire comme ça, hein. Vous avez vu ce que vous avez fait en plus là? Vous avez coupé l'autoroute. C'est complètement malade. Allez hop, sortez du véhicule là. Moi j'appelle la dépanneuse. Elle vient de chercher le véhicule. Allez hop. Non mais. Donc nous on va patrouiller tranquillement là. On va pas aller se replacer. On va voir ce qui se passe un petit peu. Oula, j'ai vu quelque chose là. Voiture suspecte. Ou un camion.
camion là, il est suspect. Ah, je suis en 8. Oula, oui, il double tout le monde. Alors, il faut l'arrêter. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 là, on arrête. Qu'est-ce que c'est? Eh, oh, gendarmerie, là. Arrêtez-vous, là. Oh, oh. Eh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, vous calmez, là. Eh, oh. Je me suis pris un coup de hache. En pleine tête. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Bon, bah, je suis revenu sur les lieux du crime, hein. Donc il n'y a plus personne. Je sais pas du tout ce que c'était, ça. Là, je me suis pris un coup sur la tête, ça m'a pas plu. Bon, bah, on est reparti, hein. Le collègue est toujours là, lui. Ah, bah regardez. C'est le camion qu'on a... qu'on a voulu arrêter tout à l'heure, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a plus personne? Ah non. Oula, bon, attendez. Ah, on va couper la route. On va demander à tout le monde de s'arrêter. C'est le bordel ici, hein. Là, il y a une voiture toute seule aussi. Je vais aller voir ça après. Le camion, on va le mettre au milieu pour le moment. On va pas gêner là. Il y a un gars sur la route encore là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, attendez. Chaque chose en son temps. Je vais appeler une dépanneuse pour ce camion. Voilà. Hop, je vais remettre la circulation. Et là, je vais aller voir le gars là qui est sur le qui est sur la route là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du stop. Ah non. Attendez. Qu'est-ce qu'il fait là? Hé, hey, monsieur là. Vous faites quoi là? Arrêtez-vous là. Ouais ouais. Oh. Quoi vous a... Hé. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton taser toi? Alors là mon petit gars. Allez. Mets-toi au sol, là. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, il est arrêté, Maurice. Hé, hey, reviens là. Il est malade. Remonte dans ta voiture, non, sur ta moto, Maurice. Ah vache. Par contre, j'espère que t'as coupé la route. Ah non, même pas. Je vais me faire écraser par une voiture. Bon alors monsieur, vous allez venir avec nous là. Viens là, viens là. Je vais appeler les collègues qui viennent nous chercher. Backup required for a suspect placed under arrest in Tatapia Mountain. Roger. Voilà. Monsieur, vous pouvez aider à remonter dans votre voiture. Voilà, cette porte-là. Hop, allez-vous-en. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon. Oula! Une petite cascade. Donc là, j'avais vu une voiture tout à l'heure, toute seule. Elle n'y est plus là. Bon. C'était là au moins. Je sais même pas. Allez, viens. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, ok, il va me foncer dedans, lui. Oh là, lui, on va donner un coup de main au collègue.
Allez, c'est bon, on accélère. Oula, attends-moi, Maurice. Bah voilà. Je t'ai dit de m'attendre, pas partir sans moi. Oh. Il s'est planté. Bon, bah moi, faut peut-être que j'avance, là, j'accélère, parce que... Voilà. On va essayer de crever les pneus. Allez, arrêtez-vous, la gendarmerie. Ne fonce pas dedans. Oula! Oh là 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 là! Ah, c'est de sa faute, là. Il m'a poussé aussi, vous avez vu. Oula, ça tire, ça tire, ça tire. Ça tire. Là, ça tire. Ah, ben, il est mort. Bon. Bon, bah, les gars, vous en chargez. Nous, on repart. On va se poser là, tranquille. On ira. Là, il y a un petit lapin qui court. Là. Là, on est bien caché. On est au frais, on est à l'ombre. Et toi, à l'ombre, Maurice, t'es au soleil. Il peut pas. Oula, la vitesse, les motos. J'ai pas de radar, je sais pas combien il roule. Le petit lapin, il s'en va. Va pas sur la route, hein, tu vas te faire écraser. Ah ah ah, là, il y a quelqu'un. Voiture suspecte. C'est cette voiture-là. On va la suivre. Un petit peu. Zigzag entre les voitures. Oula. Oui. On va encore la suivre pour voir un peu ce qu'elle fait. Discrètement. Oula, il y en a deux maintenant. Elle a fait un... Oula, elle a fait des gros drôles d'écart, elle. On va se pencher sur elle. Et hop. Ouais, oula, oui. Ça, c'est pas normal. Mais arrêtez-vous, là. Là, je vais demander de me suivre si ça marche. Ah non, ça marche toujours pas, ça. Ah, si, ça y est. Allez, suivez-nous. On va sortir la prochaine sortie, là. Sortir ici. Et on va se mettre... Attendez. Bon, allez, suivez-moi, on va aller tout droit. Hop là, là on va être bien. Comme ça, si vous voulez vous enfuir, vous ne pourrez pas. Qu'est-ce qu'il me fait? Il est rentré dans le... Eh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Attention, attention! Mais il est fou! Complètement malade! Bah oui, Maurice, il est pas content. Hein. Ça, c'était sûr. Je lui ai demandé de se calmer, mais... Eh, Maurice, c'est rien, c'est rien. Allez, on passe. Remonte sur ta moto. Bon alors monsieur, vous êtes complètement malade. Là je vais voir, je vais vérifier votre taux d'alcoolémie. Si vous n'avez pas consommé des produits stupéfiants. Ok, donc j'ai les positifs à la cocaïne. Et il est limite niveau alcool. Donc alors, je vais demander
de sortir du véhicule. Et ça, on embarque. Non, 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 viens là. Hold on. Bon, il veut pas. Mets-toi au sol. Hop. Là, on va pas chercher. On va embarquer direct. Et hop. C'est quoi F9? Ah ouais, j'ai tout sur lui. D'accord. C'est nouveau ça. Ok. Bon bah c'est la fin. Hein. Donc on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut!